Salut Fred. Salut Sam. Dis-moi, j'avais une question pour toi aujourd'hui. Ouais. Sur la méditation. Uh-huh. Je suis intéressé par la méditation, mais j'ai pas envie d'y passer ma vie, j'ai pas envie d'aller dans une grotte pour faire une retraite ou de me retirer du monde. J'ai envie de continuer à m'amuser, d'aller à mon boulot, de faire les études qui m'intéressent. Et est-ce que la méditation, ça peut m'aider dans le quotidien par rapport au boulot, par rapport à mes études, à mes relations avec les gens? Ben ouais, bien entendu. Hein, s'il fallait tous qu'on se retire dans des grottes pour retirer des bienfaits de la méditation, il n'y aurait pas grand monde qui méditerait. Alors maintenant, on voit très bien que de plus en plus de gens se mettent à la méditation. C'est même enseigné à Google, à Facebook, dans toutes les grandes compagnies. Donc c'est que forcément on en retire des bienfaits dans notre vie quotidienne. Et en effet, un des premiers bienfaits, c'est d'être plus connecté à soi-même. Plus connecté à soi-même, plus détendu, plus relax, plus clair. Et on voit que toutes ces qualités, c'est exactement les qualités qui nous faut dans notre quotidien pour assumer ce qu'on doit faire, pour être performant, dans notre travail, dans notre vie de famille, etc. En même temps, même s'il ne faut pas se retirer dans une grotte pour ça, ça empêche qu'il faut aussi une certaine discipline pour que ça marche. Et cette discipline, elle n'a pas besoin d'être énorme, mais au moins, je dirais 5 minutes par jour, 5 minutes quotidiennement, c'est quelque chose qui va déjà commencer à nous amener des bienfaits. Merci Fred. Avec plaisir, Seb.